Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Je te fais une vidéo pour te montrer les boîtes que j'ai reçues. La première boîte au mois de fin juin, début juillet. La compagnie Julep. Ça arrive dans une boîte de carton. Au seuil de ma porte. J'ai voulu me désabonner, puis ils m'ont écrit pour me dire qu'ils m'enverraient une boîte plus grosse. C'est celle du 3 juillet, celle du mois de juin. On va commencer par celle du mois de juin. Dedans, compagnie Julep donne envoi pour 20 $. C'est-à-dire que dans cette boîte, il y a pour 40 $ de produits, mais c'est l'équivalent d'au moins 300 $ de produits ou peut-être 160 $ de produits. Regarde. C'est des... comme ça. Juleps. Moi, ils m'ont fait passer un questionnaire et je vais te montrer. Ils m'ont caractérisé dans la catégorie des beaux au glam. Et c'est vraiment mon genre. Je suis une beau. Anciennement, on appelait ça granola. Des longues robes, des foulards. Un petit peu. Alors, ces cutex, ces vernis-là, sont vraiment très bons. Et présentement, et puis, ils ont la caractéristique d'être nommés par par des noms de femmes. Effectivement, celui que j'ai reçu ce matin s'appelait Karen. Je n'ai pas trouvé de Anne-Sophie. Celui-là s'appelle la boîte. S'appelle Un été dans les Hamptons. Dedans, il y a une DD crème. Eh oui, rendue à DD crème. J'ai beaucoup de bébé crème et de DD crème. C'est fait par Juleps. DD crème. Elle n'a pas beaucoup de caractéristiques. Elle n'a pas les 5 points là, que toutes les bébés crèmes ont. C'est comme un vulgaire fond de teint. Mais j'aime bien la boîte. La boîte, elle est douce, comme un fini velours. Je suis pas très crème. J'aime pas me mettre de la crème. Sinon, il faut qu'elle soit épaisse. Comme une crème qu'on met sur les fesses d'un bébé, il faut vraiment qu'elle soit épaisse pour que je l'aime. Celle-là, elle est bouchée. Elle est à la pomme grenade. Toute cette boîte-là, c'est toute cette boîte-là, 40 $ pour une crème. 6 vernis, mais dans ce sac-là, il y en a 4. J'ai utilisé les deux autres que j'ai mis à quelque part dans ma chambre. Plus une DD crème. Et ça, c'est un petit lipsil. Strawberry Mint Lip Balm. Si tu pouvais sentir, c'est magique. Mais ça, c'est à toi, prochainement, dans un paquet. Car j'en ai déjà deux. C'est fini pour ça.
Ensuite, toujours dans Julep, ce matin, au seuil de ma porte, il y avait une boîte plus grosse. Parce que quand, en voulant me désabonner, ils m'ont dit, ne vous désabonnez pas, vos boîtes seront plus grosses. Donc, j'ai eu des bottes. Matifiante, il y en a 40 feuilles pour absorber son visage quand on a eu trop chaud ou trop la peau huileuse par-dessus le maquillage. Ça ne brise pas le maquillage. Je suis très contente d'avoir eu ça. Très contente. Deux autres derniers. Mais effectivement, je veux vraiment arrêter cette boîte-là. Parce que je suis rendue à 60 vernis, je trouve que c'est exagéré. Je veux m'en faire des cadeaux. Parce que ça n'a pas de sens. Regarde. Lui, c'est le Karen. J'arrive pas à le montrer. Les bronzes. Et le beau miracle. La boîte coûte 20 $. Je suis tombée en amour avec les huiles sèches au monoï ou à l'huile de Morocco, qui est une huile d'argan. Oh, surprise! Dans ma boîte, il y a deux Juleps Beach Tonic, une huile sèche à l'abaco. C'est splendide. On dirait qu'on est sur une plage. Extraordinaire. Je crois que ça équivaut les 20 $. Elle seule, elle coûte 30 $. Je suis très satisfaite. La Ipsy du mois dernier. Je veux une trousse à maquillage. La Ipsy arrive toujours dans une enveloppe rose et dans une trousse de maquillage à chaque mois. C'est la troisième que je reçois. Je compte éliminer toutes les boîtes et garder seulement la Ipsy. Je voulais m'acheter ça. Quelques jours avant de recevoir ma Ipsy. Blush. Ou, eux, ils disent. Poudre. Je suis un écureuil qui met des choses de côté pour plus tard. Une palette qui ira sûrement dans un ticket de Noël. Un crayon blanc qui fait un look d'enfer. Regarde la boîte. Je tombe en amour avec les boîtes.
C'est cool. Je trouve que les cosmétiques sont de petits bijoux. Un petit pinceau à tremper dans le cou. Ensuite, je voulais avoir un effet de vernis, même si j'ai dit que les vernis, j'en avais trop. J'aime beaucoup. Je voulais avoir un vernis avec une texture. Je me suis pris trop tard et j'ai pas trouvé de vernis avec des textures. Chez nous, on a les pharmacies où ils vendent des cosmétiques. J'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais vraiment. Donc, en grande surface, dans un magasin qui s'appelle le Dollarama, où ils vendent des objets à 1 dollar, 2 dollars et 3 dollars, j'ai trouvé Revlon. Revlon. On voit mal. Mais on voit que si c'est la base, ça c'est la base. Ça c'est la base. Et ça c'est l'effet qu'on met par-dessus pour faire une texture. Et regarde. Sont texturés. On voit pas bien. Sont texturés. Je quitte ici la vidéo parce que j'ai d'autres choses à montrer et je veux pas que ça soit plus long. Je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure.